Messieurs, merci de suivre face à face. Nous parlons encore une fois de l'actualité, vous le savez. L'actualité tourne autour de cette question de, de consultation, de la réqualification de la majorité parlementaire, de la dissolution de l'Assemblée nationale, l'avenir politique de Joseph Kabila et du FCC. Et si Fatih échoue ces consultations, qu'est-ce qui va se passer On essaie de parler de ça avec euh, une avocate. On va parler avec elle, Madame Arlette Oudia, qui est présidente de la Ligue des Femmes, de, du parti de, 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 de dynamique Congo, de, 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 de Chimanga, M. Chimanga, M. Chimanga très bien. Allons-y déjà sur la question de consultation. Est-ce que vous serez consulté ou vous avez été consulté vous, vous savez, c'est le protocole du président de la République qui, qui invite. Et étant donné l que nous sommes l'un des partis, Phare de sa famille politique, et très certainement que nous serons euh, invités à ces consultations. Mais le plus important pour nous, c'est que ce que nous attendons donner à ce régime, c'est que nous avons donné à ce régime depuis son début, et c'est que nous attendons le donner pour sa suite. Et pour cela, on n'a pas besoin de passer forcément par des consultations. Qu'elles arrivent, qu'elles arrivent pas. L'essentiel pour nous, c'est d'accompagner le président de la Et République. Et vous l'accompagnez à quel degré En faisant quoi exactement Vous n'avez pas de députés. Vous l'accompagnez en quoi Il ne faut pas oublier que c'est un régime qui, essentiel, qui essentiellement est accompagné par le peuple. Il faudrait alors à tout moment être en contact avec ce peuple pour l'expliquer l'intérêt qu'il y a. À quoi Parce qu'à un certain moment, il arrive toujours que dans, dans un parcours, qu'on qu on, qu on se sente... Euh, démobiliser, désespérer, l'espoir peut aussi prendre le désespoir peut aussi nous prendre, mais il faudrait qu'il y ait cela qui motive, qui mobilise, qui sensibilise et c'est ce que le conseiller toujours été qui dit lorsqu'il disait que un peuple qui a passé plusieurs années dans la dictature a toujours besoin qu'on lui rappelle qu'il est le souverain primaire. Il faudrait ces activités et c'est en ça que, essentiellement, notre parti, nous nous identifions. Comment voyez-vous ces consultations déjà dans l'ensemble Elles se portent bien, telles que nous, nous sommes en train de le constater. Toutes oui. les personnes qui sont invitées, elles ont répondu. Elles ont répondu aux questions de la presse pour dire ce que et le rapport, est leur rapport, c'est que sera leur rapport aux, aux, aux consultations. Et les dernières décisions seront bien entendu à, 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 prises par le président de la République. Et avec cet accompagnement du peuple, nous sommes sûrs qu'il va conclure comme il se doit. Pensez-vous que le président a bien fait des consultés ou il aurait pu tout simplement prendre des mesures et des décisions et puis voilà faire suivre tout le monde Il est président de la République. En ce moment, c'est son époque. C'est une grâce qu'il a obtenue de son Dieu. C'est une faveur qu'il a obtenue de son peuple. C'est lui de présider à la destinée du. Du, de la RDC. En tant que tel, il est face à. Il lit lui aussi la il lit euh, la manière dont les choses doivent se passer. Il est le garant de bon fonctionnement des institutions. Il est le chef de l'État. Il sait voir d'où nous venons, où nous allons, comment nous y prendre. Et lorsqu'il a jugé de ces consultations, c'est bien entendu c'est qui constitue pour moi le, la meilleure des options. Pourquoi? Parce que on se retrouve avec une assemblée nationale qui est majoritairement acquise au FCC. Prenons-le comme ça, dans son ancienne configuration, parce que déjà, il y a encore débat par rapport à son existence juridique qui, aujourd'hui, constitue un avantage pour le peuple. Le peuple a cet avantage de voir que les différentes familles politiques qui se sont dessinées au sein de l'Assemblée ne sont pas réellement constituées. Et ça a ça, ça, ça pour avantage que chaque parti garde son individualité. Il peut choisir de cheminer avec le président de la République tout comme de cheminer avec l'un de ses opposants. Parce qu'il faut déjà à ce stade voir qui devient l'opposant du régime en place et qui... Euh, euh, marche avec le, le, le chef de l'État. Oui, mais en tant que président de la République, je, il a toutes les manœuvres, On dites qu'il est chef de l'État, il est le symbole de l'unité, il est tout ça, il est tout ça. Mais alors, s'il est tout ça, pourquoi veut-il chercher la légitimation de ses actions dans des consultations Pourquoi il n'agit pas tout seul pour arrêter s'il y a une crise Pourquoi il n'agit pas tout seul pour remettre le pays sur les rails au cas où le pays serait en dehors Pourquoi les consultations simplement parce que les élections telles qu'elles s'étaient déroulées en 2018 a fait que nous avons un président de la République par quelle magie on ne sait pas la magie qui a fait que l'Assemblée soit constituée par des députés qui ne soient pas ceux qui ont donné la majorité au président. Pourquoi vous ne posez pas la question, le contraire, le contraire. pourquoi vous ne vous posez pas la question, par quelle magie le président est arrivé au pouvoir Pourquoi vous voulez savoir la légitimité des députés et pas le président pas ses, ses Non, le problème n'est pas celui de s'interroger. Pourquoi la légitimité aux autres du, des députés et celle mmh. Non, non, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème est que les, cons, les contextes dans lesquels se déroulent les, les, les élections dans notre pays font qu'il n'y a pas d'idéologie. On peut être contre un candidat président de la République, mais défendre ses membres du parti parce qu'ils sont peut-être membres de nos familles, ils sont amis, ils sont. Ainsi de suite, il y a plusieurs circonstances qui font que l'on désigne ceux qui, sont, qui se présentent aux élections. Cela a fait que le président de la République, Félix Tshisekedi, arrive au pouvoir, alors que de l'autre côté, la plupart des candidats. FCC, les candidats qui aujourd'hui encore, font encore allégeance au FCC, ils avaient suffisamment de moyens. Vous savez, les élections dans notre pays, ça, 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 ça tourne autour de ça, autour des présents, autour de cadeaux, très, très, très difficilement autour de l'idéologie, autour de la vision des candidats. Mais c'est déjà aujourd'hui une réalité, la réalité que le chef de l'État, il a un parti politique qui est l'UDPS avec un certain nombre de députés qui n'est pas aussi majoritaire que ça. De l'autre côté, le PPRD, par exemple, avec autant de députés, je pense c'est le premier dans l'Assemblée, qui est de la famille politique ou encore du parti politique de, de, de son prédécesseur. Nous acceptons de travailler ensemble parce que nous avions estimé, je pense qu'il avait estimé que ce duo pouvait donner quelque chose. Quand je parle de nous, c'est que je vois aussi la dynamique Congo-Uni. Nous, nous sommes l'un de ce parti. Qui avait salué l'avènement de cette alliance, on pensait que c'est celle-là qui résoudrait le plus facilement le problème du peuple congolais. Pourquoi Parce que de l'autre côté il y avait le nombre et de notre côté il y avait la volonté politique. Le mettant ensemble, ça pouvait donner quelque chose. Mais aujourd'hui, on se retrouve à une évidence que nous avions eu tort de penser de cette manière. Mais c'est un tort qui devrait absolument arriver. N'est pas que soit prêté au président de la République des fausses intentions de ne pas vouloir travailler avec. Ses adversaires l'entendent. On l'accuse déjà, déjà de bloquer la manœuvre, on l'accuse déjà de, de ne pas être coopératif, on l'accuse de ne pas respecter les accords, on l'accuse de ne pas être aussi transparent que ça. Donc vous n'avez rien fait à la fin de compte si c'était pour éviter ça. Ça, c'est une minorité qui l'accuse et très souvent, ce sont ceux-là qui sont déjà aux affaires. Le, les accusations qui pouvaient inquiéter, ce sont celles du peuple. Alors qu'aujourd'hui, le peuple est avec le président de la République. Nous l'avons vu ce dans l'Assemblée. vous interdit de faire alliance avec Kabila. Oui, mais c'était l'occasion choisie par le président de la république de démontrer ou de prouver à ce peuple que c'était un schéma qui était en ce moment là le mieux indiqué. Pourquoi je viens de le dire ici Il y avait de l'autre côté du nombre, il y avait de notre côté de la volonté politique. Quand on ne voit toujours pas pour... cette volonté politique. Non, la volonté politique c'est celle-là que nous sommes aujourd'hui en train de voir, ceux qui s'étaient illustrés. En opposant de Félix Tshisekedi, je prends Jean-Pierre Bemba, je prends Moïse Katumbi, ils sont aujourd'hui prêts à travailler avec lui. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sont convaincus de cette volonté politique. Oui, mais cette volonté, est là, parlons-en. Est-ce que c'est Kabila qui vous empêche de résorber, de résorber, je veux dire, de résorber le problème d'emploi Est-ce que c'est Kabila qui vous empêche de finir la guerre à l'Est du pays Est-ce que c'est Kabila qui vous empêche de construire des routes et des hôpitaux Est-ce que c'est Kabila qui vous empêche de, de, de mieux payer les enseignants, de changer, de faire des réformes Est-ce que c'est eux qui vous empêchent tout ça Mais est-ce qu'on a compris que les membres du gouvernement sont des collaborateurs du président de la République Et en tant que tels, ils sont censés accomplir, accompagner sa vision et concré la concrétiser parce que ce sont vision. eux qui sont des exécutants. Je tombé, elle est où cette vision Cette vision là, celle celle du peuple d'abord, ça c'est le résumé, le peuple d'abord et lorsqu'on dit le peuple d'abord, c'est s'interroger sur ce que veut le peuple. Le peuple a besoin de la PLS, le peuple a besoin d'avoir du quoi oui, mettre vous sur en fait son assiette. Qu'est-ce qui nous empêche d'en avoir? C'est le fait que l'exécutant n'a pas cette volonté politique. Et qui est l'exécutant? C'est le ministre, par exemple, venu du FCC. Vous allez me demander, vous allez certainement me dire que c'est un procès d'intention. Ce n'est pas aujourd'hui un procès d'intention. Parce que lorsqu'il était question d'accompagner les juges du conseil, le juge de, de, de la Cour constitutionnelle à prêter leur serment, les ministres du gouvernement ont, ont obéi à un mot d'ordre politique. Plutôt que d'obéir au, au, au mot d'ordre, je peux le, le qualifier ainsi, du président de la République, et ça veut dire que ces gens de ministres ont deux maîtres à servir. Oui, mais là vous parlez de ça, mais vous avez quand même fait ça, les juges ont prêté serment. Alors essayez de donner de l'emploi aux gens et quand ils vont refuser, vous allez donner de l'emploi. Mais tout c'est tout cela ouais. passe par le gouvernement. Le gouvernement. C'est la partie de l'exécutif qui est exactement en, qui, en exécution. Oui, mais le chef de l'État a dit à Londres que le ministre qui va s'opposer à ma volonté, son nom c'est Bicrouge. Ça aurait voilà. été oui. le cas si c'était de manière individuelle. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est tout un collectif qui, qui se met. C'est en fait une idée collective de ne pas exécuter de ne pas accomplir la vision du président de la République pour le mettre en difficulté et très souvent on veut trouver pour alibi le non respect de la constitution. Il n'est pas là le problème. Que vous êtes passé champion, il paraîtrait selon madame Abunda et monsieur Tambo Momba, vous êtes passé champion en violation de texte constitutionnel. Non, le champion n'aura jamais été Félix ici Il qu'il faut pas. Il faut pas que que l'on que l'on que l'on prenne plaisir à dire le contraire de ce qui est réellement Félix dit, s'est montré euh, respectueux d'un premier engagement. C'est lui d'abord de servir le peuple. C'est ce qu'on doit ne pas oublier. C'est lui de servir le peuple. On ne doit pas toujours se mettre à servir les individus. Et pour moi, je me stime heureuse parce que nous avons pour leader Étienne Tshisekedi. On ne doit pas oublier ces choses. Et qu'est-ce qu'il disait Il disait que les jours où l'UDP s'accédera au pouvoir il n'y aura pas de larmes de, de peine, mais des larmes de joie. C'est ce que nous avons vécu le 24 janvier 2019 dans ce pays. Etienne Tshisekedi avait encore dit autre chose, que le jour où nous prendrons les pouvoirs, ce sera grâce au papier, grâce au stylo. Il nous semble qu'il y a un accord qui a été signé entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Ouais. Il nous semble qu'il y a un accord. On a même vu sur les réseaux sociaux des, de... de, 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 de des documents être euh, un, un tel accord, par exemple. Admettons que cela soit vrai. Ça, ré, ça, ça, ça réconforte l'idée de... Tiens, c'est dit. Celle de dire que l'on prendrait ce pouvoir, Nabi pas na Papier. Et c'est à ça que nous sommes arrivés. Mais il y a une crainte... La Papier, il faisait ça. Il faisait allégeance aux élections. Il faisait allégeance aux urnes. Ça, c'est ce vous hein. qui le dites. Ouais, qu si aujourd'hui, on doit admettre qu'il y a un accord qui a été signé grâce auquel kabila a été convaincu de ne plus se présenter aux élections. pour moi, ça rejoint ce que disait Étienne tchicé qui a dit qu'on ne prendra pas le pouvoir avec les armes, pas par les armes, mais par un papier et par un stylo. Oui, et lorsqu'il les disait, plein de gens doutaient, plein de gens doutaient que cela arriverait. et c'est la force du progrès qui... Allez voir le, le président Félix Tshisekedi, alors le président de leur parti politique, pour dire que maintenant nous sommes au bout, à bout de souffle. Maintenant, vous prenez de l'âge. Une fois que vous ne serez pas là, on sera en difficulté. Mais avant votre départ, on doit absolument prendre les armes. Et c'est à cette occasion qu'il va leur dire qu'on va arriver, qu'on y arrivera avec un papier, avec un stylo. Nous sommes passés par les élections, nous avons gagné ces élections. Nous sommes aujourd'hui pour nous, nous, nous sommes allés à ces accords, admettons qu'il y a eu ces accords. C'était aussi par le canal du stylo et du papier. Et ma crainte, c'est que la troisième, la troisième prophétie se réalise. Vous savez laquelle, laquelle? Lorsque Félix Étienne Tshisekedi disait que Ligotez-moi, Kabila, apportez-les-moi vivants, et il y aura une récompense pour celui qui le fera. Tshisekedi n'avait jamais dit que Apportez-les-moi en étant vivant ». Il disait plutôt que c'est l'autre qui devait être vivant. Alors, comme il a son mausolée de l'autre côté, je crains que, que, le, que, que le combattant se retrouve dans les circonstances de le ligoter et de l'amener. Vous, Vous pensez qu'on va ligoter Kabila et on va l'amener... Euh, J'ai dit que c'est l'une de, de mes craintes, parce que jusque-là, toutes les prophéties... Détienne Tisséke dit pour ce régime, sont en train de... Il avait parlé de qui, qui veut. Il avait parlé des volontaires. Et les volontaires, il y en a beaucoup dans la force du progrès. Les volontaires, il y en a beaucoup dans les parlements debout. Les volontaires, il y en a aussi beaucoup dans notre parti politique. Pendant Et on vivant. ne voudrait pas, on arrive à ce point. Pendant qu'il était vivant, il a donné cette prophétie. Cette prophétie ne s'est jamais, c'est mot d'ordre, ça n'a jamais été réalisé parce que personne ne pouvait se, se donner ce luxe-là. Et c'est aujourd'hui que vous allez le faire. Vous allez aller à Cat, le Ces fait. prophéties n'étaient pas déterminées dans le temps. Lorsqu'il nous disait que le peuple allait accéder au pouvoir, il n'avait pas dit quand. Et très peu de gens y croyaient. Beaucoup ont désisté. On a vu Bruno Chibala changer de camp. Ce n'est pas parce qu'il il le voulait, mais parce qu'il était désespéré. Il pensait que c'était un mythe. Et lorsqu'il disait également que nous n'allons pas pleurer. Le jour de la passation de pouvoir, il n'y aura pas de coulement de sang. C'est ce qui a été le cas. Et il y en a plusieurs. Vous appelez ça mot d'ordre. Moi, j'appelle ça prophétie. Et la prophétie de Ligoté Kabila. parlons-en, c'est quoi son avenir politique selon vous L'avenir politique, elle a été déterminée par les actes qu'il a posés. Nous avons cru en lui. Ça, c'est vrai. Vous avez cru ah. en Kabila Oui, jusqu'à un certain vous moment. Avouez quand même d'avoir été naïf à un moment donné. Non, il n'était pas question de naïveté. Il était question de, de confiance. Vous êtes juriste comme moi, Christian. Vous savez au moins qu'il n'existe pas une infraction d'excès de confiance. Il existe une infraction d'abus de confiance. Lorsque vous avez plus de confiance en une personne, ce n'est pas vous qui commettez une faute. Oui, c'est lui qui commet une faute, c'est lui qui a abusé de votre confiance. Oui, vous êtes quand même naïf, ne vous ne pouvez pas confier quand même. Non. Vous pouvez être sûr de Camille à la fin des secondes. Comment vous pouvez, comment vous pouvez simplement, faire confiance à ce régime? Simplement, parce que le combat que nous menions n'était pas dirigé contre des individus, c'était plutôt contre un système. Et avec l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, c'était qu'il y aurait... Plus ce système, ce système qui avait détruit le pays, ce système dictatorial ne pouvait plus passer parce que c'est lui qui, est au sommet de l'État, n'était pas un dictateur. Et il n'était plus, on avait plus de raison de ne plus croire en ces en ce, en ce personnes parce qu'il ne, il, il ne garderait plus la commande de la République. Oui. Et malheureusement, oui. Avec le, la parcelle de pouvoir qui, qui, qui leur revenait, ils en ont abusé. Et puis, alors la solution, c'est qu'il faut, faut rompre les relations. Jusque-là, il n'est pas encore question de, de, de rompre, oui, à, encore, à ma connaissance. C'est encore ça, votre votre, votre votre Et puis, vous allez encore dire que vous faites encore confiance, vous croyez encore que l'on peut changer Non. Ouais. Nous, sommes déjà, nous avons atteint un point de non-retour. De de non non retour. Mmh. Quel est ce point de non-retour c'est que qu'on est tous d'accord que ce gouvernement ne produira rien à ce, à ce pays. Absolument rien. Pas seulement sur le point, sur, du point de vue politique, du point de vue économique, du point de vue social. Le peuple souffre, sa misère s'est accentuée avec le temps, alors qu'à la tête du pays, il y a un des leurs, Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo. Et face à ce constat, le président de la République, Face au fait que les gouvernants ne seraient pas en mesure de répondre aux aspirations du peuple, ils devraient mettre en place un mécanisme. Parce que le gouvernement, est, sa composition est organisée par la constitution de la République. Et s'il faut euh, euh, changer de physique de Paul, il faut toujours trouver le mécanisme qui soit supporté par la Constitution. Et, et c'est quoi le mécanisme? Le mécanisme, c'est celui. Que vient de choisir le président de la République, de convoquer tout le monde aux, aux discussions, aux dialogues, parce que l'article 90 de la Constitution voudrait que le gouvernement émane de. Euh, euh, tienne compte, la composition du gouvernement tienne compte de la représentativité nationale. Et ces, ces discussions vont nous amener à ça, à identifier quelles sont réellement les le forces politiques, les forces sociales. Qui ont un ancrage, un ancrage considérable, une forte représentativité nationale. Pour organiser le gouvernement, certainement que vous vous demandez comment on va y arriver, est-ce qu'on on, on parviendra à faire basculer la, la, la majorité Non, ce n'est pas ça ma question, ça vous posez à vous la question. Moi, ma question est de savoir êtes-vous en train de parler sournoisement ou subtilement mm -hmm. du, du débauchage Comment allez-vous faire pour avoir renverser cette majorité-là. Quel est le mécanisme que vous allez utiliser Soyez courageux, dites-nous. Déjà qu'il oui. qu n'est pas question de débauchage. Parce que pour moi, le débauchage, c'est euh, faire partir un élu du peuple, par exemple, d'un camp à un autre, d'un parti politique à un autre. Ce qui ne sera pas le cas. Alors vous, vous débouchez les partis politiques directement. <laughs> -vous, vous ne prenez pas les individus, vous le prenez en paquet. <laughs> Il Là, est question. Est non, ce <laughs> n'est pas ça le problème. Okay. Le problème est celui de rappeler aux députés, aux élus du peuple, ce que leur devoir au peuple, ce qu'avait été leur demande, lorsque ils demandaient, ce qu'avait été leur promesse, en fait, au peuple, lorsqu'ils demandaient le mandat. Et aujourd'hui, étant donné que toutes ces familles politiques ne sont pas constituées, il y en a ceux qui sont réellement qui sont, qui, qui, qui sont disposés à servir la nation, qui sont disposés à accompagner le président de la République. Il sera juste question de les identifier. Que dit notre Constitution par rapport à la, à la Constitution ou encore à la composition du gouvernement Il dit que le gouvernement émane. De la le, le gouvernement émane de la de la parlementaire. majorité parlementaire oui. et lorsque cette majorité parlementaire n'existe pas on identifie une coalition Mais si la majorité existe évidemment. non la majorité n'existe pas il n'existe pas un seul parti politique mais vous ou qui un nous avez seul regroupement politique Mais c'est vous qui nous avez dit qu'il y avait déjà une majorité, Ce n'était pas important de nommer l'informateur. C'est vous qui avez dit ça. Mais parce que vous savez pourquoi La raison elle est claire. Le président de la République, en tant, que, euh, en, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il a, il a eu à constater, de par ce qui lui était rapporté, qu'il y avait une majorité. Vous allez vous souvenir qu'il y a plusieurs, plusieurs photos sur lesquelles il regarde toujours sur sa montre, parce que le bonheur du peuple congolais ne doit plus attendre. Il n'y avait pas de l'autre côté une opposition sérieuse qui pouvait remettre en cause les faits que la coalition ou encore la majorité présidentielle n'était pas réunie. Il ne faut pas oublier que le concept n'est <laughs> toujours pas, oui, qu'on ait un intérêt ou pas, dès lors qu'on fait l'opposition, on sait qu'on est minoritaire. Ça ne vous empêche pas d'élever de, de votre voix. Ça ne vous empêche pas de critiquer l'action du, même du premier, du, du, du président de la République ou encore l'action du gouvernement. Mais à l'époque, Lorsque les partis se sont convenus pour constater l'existence d'une majorité parlementaire, il n'y avait pas eu des voix qui s'étaient élevées pour dire le contraire. Et par rapport au fait que le bonheur du peuple congolais ne pouvait plus attendre, le président de la République a considéré que cette majorité existe bel et bien et qu'elle pouvait donner un gouvernement. Nous sommes arrivés à un point aujourd'hui où ce gouvernement ne sert plus la République. Et, et, Qu'est-ce que ça donne comme conséquence Que le président de la République doit s'interroger si réellement il existait une majorité ou pas. On se rend compte que ce n'est pas une majorité qui s'en va servir le peuple, qui s'en va s'approprier la vision du président de la République. Quelle est la conséquence Il faut l'identifier, il faut chercher à l'identifier. Déjà qu'on se rend compte qu'elle n'existe pas, il faudrait identifier cette coalition et qu'est-ce et, 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 et que qu sera le, les deux cas de figure les cas de figure seront que soit on va une, identifier une coalition majoritaire soit une coalition qui malheureusement sera minoritaire et les cas d'une coalition majoritaire se prêtent déjà là parce que vous voyez de l'autre coin les gens bien que étant du FCC qui sont disposés à accompagner la vision du président de la République. Par exemple, si aujourd'hui on appelle à la destitution du bureau de l'Assemblée, il y aura des mots d'ordre qui seront donnés. Aux uns, on dira de voter pour, aux autres de voter contre. Les députés s'en vont. Alors qu'on on pensait voir le FCC être majoritaire, l'Assemblée tombe. Vous allez me dire qu'il y aura une majorité FCC Non. Lorsqu'il est question d'accomplir ses devoirs constitutionnels, il n'est plus, il, il, il ne se pose plus le problème de, de parti politique, il se pose le problème de la conscience, de la conscience de chaque député. Et c'est à ça que le président de la République tend. C'est lui d'avoir des députés qui, en dépit de leur appartenance à leur famille politique ou encore à leur parti politique respectif, peuvent obéir à un mot d'ordre qui tend à l'amélioration du social du Congolais, qui tend à, à, à à l'avancement de la que, nation et que au que bon vous, fonctionnement de l'appareil de l'État. Est-ce que vous ne tuez pas la démocratie lorsque vous voulez museler, euh, vous voulez avoir euh, un point de vue collectif, sinon l'unanimité Non, mais dans la démocratie, il y a la majorité, il y a la minorité. Et si cette majorité s'en va euh, euh, penser, admettre la, 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 et s'approprier la vision du président de la République, vous voudrez que ce soit la minorité qui accompagne le président de la République, comment il, le... va ré... il, il, il va réussir son, son mandat. Mais quelle va être l'opposition alors Qui sera dans l'opposition oh, Mais aujourd'hui, il est bien clair que le, les opposants au régime de Félix Sekedi, c'est Joseph Kabila et Martin Fayulu. C'est clair. Ce sont les deux opposants. Et vous, rappelez-vous de ce que disait Félix Sekedi dans son message sur l'état de la nation devant le, 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 le Parlement réuni en Congrès, qu'il avait besoin d'un interlocuteur. Il a besoin d'un répondant au sein de l'opposition. Aujourd'hui, ils se sont dessinés et nous allons les considérer comme tels. On on, on, Lorsqu'on fait la politique, on doit avoir une discipline et on doit avoir une logique. Lorsque ça n'existe pas, il faut changer de métier. Et c'est quoi la logique? La logique est que soit on est dans l'opposition, soit on est au pouvoir. On ne peut pas faire l'opposition tout en étant au pouvoir. C'est aujourd'hui l'occasion qu'offre qu le peuple à Joseph Kabila et à tous ceux qui continue à obéir à ces mots d'ordre, de faire carrément l'opposition. Que... Et nous, nous allons nous ranger du côté du président de la République. Est-ce que Kabila et Martin Faillou, c'est vous qui les placez dans l'opposition ou ils se reconnaissent dans l'opposition Ils se reconnaissent dans l'opposition. Que... Martin, oui, mais pas Kabila, Kabila. Non. Le fait pour Kabila de laisser sa famille politique lancer le mot d'ordre, de ne pas répondre à l'invitation du président de la République pour assister... Euh, euh, pour assister à la prestation de serment du juge constitutionnel. Qui qualifie est illégal en tout cas. Admettons que cela soit illégal, mais le fait que il y a une frange de personnes qui se reconnaissent kabilistes, qui se reconnaissent FCC, qui obéissent à des mots d'ordre qui ne soient pas ceux qui accompagnent le président de la République, c'est justement ça, faire l'opposition. Avoir à, à, à mettre en place des mécanismes pour faire échec au pouvoir en place. Et c'est ça l'opposition. Considérer dès aujourd'hui que l'opposition oh, dans de notre pays est faite par Martin Fayoulou et par Joseph Kabila. Ça, ça c'est vous qui le dites. Ben, écoutez, aujourd'hui, Bemba a été reçu par exemple hier. Euh, Katoumbi sera reçu peut-être demain, probablement demain. Jusque-là, Bati n'a toujours pas été reçu. On ne sait pas s'il va être reçu, ou il sera reçu, quand et tout. Mais alors, dites-nous, à quoi ça rime tout ça Ça rime à, une, à un partage du pouvoir au niveau de, des ministères ou ça rime à un partage d'idées et de convictions Mais déjà, est-ce qu'on peut comprendre que les consultations, elles sont faites mmh. pour que différentes structures, différentes forces politiques, différentes forces sociales dans notre pays soient en mesure de faire parvenir personnellement leur, leur contribution leurs idées au président de la République. Et s'il si y a déjà des structures qui peuvent voir le chef de l'État sans passer par ces consultations, et les consultations, elles vont servir à quoi? C'est là même que je vous dis que ça ne va pas m'étonner de ne pas être consulté par le président de la République parce que nous avons l'occasion de lui faire passer nos idées en dehors des caméras, en dehors du format, du format qui est là établi. Vous avez vu le président de la République recevoir Baatilou Kwebo à Goma où il était parti, est-ce qu'il a réellement besoin d'être reçu dans le format consultation tel que tout le monde le voudrait Non, je pense que dès l'instant où on sait faire parvenir au chef de l'État sa vision, ses idées pour accompagner son, son action, c'est déjà ça les consultations. Comment vous gérez le cas, le cas Fayoulou, par exemple Comment vous gérez ces apparitions, ces refus aujourd'hui euh... Euh, les membres de la MOKA attaquent visiblement Bemba, attaquent Katumbi, attaquent euh, Bati. Autant que les membres du FCC membres. le font, c'est ainsi que je vous ai dit que l'opposition, c'est dans la pensée. C'est au fait un état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit qui détermine votre façon d'agir, votre façon de faire, vos déclarations, vos faits, vos gestes. C'est pour cela que je vous dis, aujourd'hui, peut-être vous n'allez pas. Très bien hein, le cerner, mais considérez cela comme une prophétie. Nous avons deux opposants. Il y a l'opposant Martin Fayoulou, il y a l'opposant Joseph Kabila. Et le, Féli le président Félix Tshisekedi, il est au pouvoir avec qui veut l'accompagner dans sa vie. Est-ce que le nom de Fayoulou est un nom définitif ou c'est un nom des circonstances et peut-être d'appel à dire à Félix, change de format de consultation Le passé de ce pays nous renseigne qu'il a toujours été inconstant. Il peut aujourd'hui dire une chose, demain en dire une autre. Nous avons vu lorsqu'il s'agissait du cas machine à voter, du cas des élections, et ça ne va pas nous personnellement, ça ne va pas. Mais m'étonner qu'il revienne sur sa décision. Mais de plus en plus, il aura perdu cette représentativité. Il aura perdu du monde qu'il qu'il draine. Il risquerait d'être consulté et n'est pas être considéré comme représentatif. Et ce sera encore un échec pour lui. Je pense vous... que la constance, la constance doit certainement -ce lui pousser que vous ne pas sa popularité, à Aujourd'hui non, aujourd'hui non. Aujourd non. Vous avez vu des gens marcher contre les consultations Il n'y en a pas eu. Vous avez vu des gens mobiliser et marcher contre la prestation de serment des juges constitutionnels Non plus. Ça veut dire que de l'autre côté, il n'y a plus de popularité. Et la popularité, c'est celle qui attend le président de la République réussir son mandat. On va terminer ce débat qui, va tourner, qui a tourné autour des consultations. Je voudrais qu'on prenne un autre angle, c'est l'angle du Parlement maintenant. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il est facile de, de, de défaire le 350 députés que compose le FCC Vous allez certainement dire, comme bien d'autres personnes d'ailleurs, le FCC est une fiction, le FCC, tout ça. Mais parlons de ces regroupements. Je parle de la plateforme qui regroupe les regroupements politiques dans lesquels les députés se trouvent. Il, on parle de 350 députés. Comment vous pensez changer ces choses-là techniquement Techniquement, ouais. l'équation n'est pas facile. Pas théoriquement, parce que théoriquement c'est très facile. Mais techniquement, dans la technique, dans Justement, la pratique, comment ça va se passer C'est ainsi que j'ai dit techniquement, ce n'est pas facile, autant que ce n'est pas impossible. Qu'est-ce qui n'est pas impossible C'est lui d'amener des députés nationaux, tout en étant au FCC, tout en étant dans le regroupement sur la liste FCC, bon, cette liste-là informelle, à accompagner la vision du président de la République. Vous avez vu Pius Mouabilou le dire ce n'est pas le fait pour lui d'avoir répondu à l'invitation du président de la République qui fait de lui un moins FCC. Il est du FCC. Lola Kisanga est du FCC. Madame Odette Kassanji, elle est du FCC. Mais ce sont ces personnes qui peuvent, tout en étant membres du FCC, rester dans cette logique-là de la. Vous avez, vous avez cité trois. Oui! Il y en a plusieurs. D'autres ne se sont pas encore manifestés. Nous n'avons forcément pas besoin qu'ils se manifestent. Nous avons besoin que des personnes, tout en étant dans leur parti politique, restent dans une logique. On ne doit pas oublier que la logique du FCC est celle de travailler au pouvoir et non dans l'opposition. Ça, c'est le FCC. Mais qui n'est pas forcément la logique de Joseph Kabila. C'est ainsi que je vous dis que Joseph Kabila, aujourd'hui, s'est illustré. En un opposant d'Etienne Tissékédé, de Félix, Félix. Tissékédé. Pas Joseph forcément, ou PPRD pas forcément, pas forcément le FCC. Est-ce que le problème c'est le PPRD ou c'est le FCC Parfois on mélange. Parce que tous les députés ne sont pas d'accord avec la démarche du, du PPRD. C'est ça justement. Oui. C'est ainsi que je vous dis que la démarche du président de la République est celle de réunir autour de lui des élus du peuple qui accompagnent sa vision. Pas forcément le faire changer de parti politique. Vous avez même vu lorsqu'on composait le gouvernement qu'il ait 8%, qu'il ait 35%, ça lui est égal. L'essentiel pour Félix Tshisekedi et c'est lui d'avoir des personnes consciencieuses, celles-là qui portent en eux l'esprit du changement, l'intérêt du peuple, qui l'accompagne dans sa vision. C'est ça, c'est qui, qui nous importe. Vous verrez que lorsqu'on va appeler à, 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 on, on va appeler à, 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 à faire euh, tomber le, le, le bureau de l'Assemblée. Vous verrez que la majorité va, va y répondre, non pas parce que ils auront changé de camp politique, mais parce que pour eux, ce sera une solution pour amener un autre bureau de l'Assemblée qui va accompagner la vision du président de la République. Ça, c'est techniquement. Mais allons dans l'hypothèse où c'est impossible. Le président parce que, échoue dans les consultations, par exemple. Non. Il, la possibilité d'échec, il n'y en aura pas. Pourquoi? Vous, allez, vous allez mal quand vous, vous, vous excluez toute possibilité d'échec. Non. Il n'y a, a pas de possibilité d'échec. Pourquoi? Parce que l'essentiel pour le président de la République sera d'identifier une coalition. Pas forcément une coalition majoritaire à l'Assemblée. Il y a une nuance que je voudrais apporter. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à l'évidence qu'il n'y a pas une majorité parlementaire au sein de cette Assemblée nationale et qu'on doit identifier une coalition. En identifiant la coalition, on peut être buté à la difficulté de ne pas atteindre une coalition qui soit majoritaire. Il y aura donc 250 plus, 250 plus 1. Il y aura donc une coalition qui, du point de vue de l'Assemblée, sera minoritaire. Et quelle sera la conséquence la conséquence est celle que prévoit l'article 78. L'article 78 dit que le gouvernement doit être issu de cette coalition, sans préciser que ça doit être une coalition majoritaire. Certainement que vous allez vous inquiéter par rapport aux conséquences pour dire que lorsque le gouvernement est issu d'une coalition qui ne soit pas majoritaire, son action sera tout le temps bloquée. Et c'est à ce, bloca... non, ce blocage, c'est ce blocage qui dit pas va... Exactement comme ça. Qu'est-ce que dit l'article 78 Je ma constitution tout à l'heure, mais on parle de la majorité parlementaire. Au premier alinéa. Oui. Je suis au second. Oui, mais. Le mais premier les deux alinéas, alinéa. Mais ne se contredisent pas. Ce n'est qu'une suite logique. Justement. Ouais. C'est ça, cette suite logique. Ouais. La suite logique de dire que le gouvernement est issu de la majorité parlementaire. Ouais. Et cet article 78 s'accompagne avec l'article 90 qui dit que le gouvernement sa composition tient compte de la représentativité nationale. Là, oui. je suis tout à fait d'accord avec lui. Oui. Mais l'article 78 ne se limite pas là. Il va à dire que lorsque une telle majorité n'existe pas.. Le président confie la mission d'information à une personnalité envie d'identifier cette coalition. Voilà. Oui. Envie d'identifier cette coalition. Oui. La Constitution n'a pas précisé qu'il devrait s'agir d'une coalition majoritaire. Je sais que vous me direz qui n'était pas le cas parce qu'on aurait, le constituant aurait plus envisagé l'hypothèse où le président de la République, déjà, son parti est majoritaire. Mais nous sommes dans un autre cas des figures où le parti majoritaire se trouve être le FCC, au sein de l'Assemblée. L'UDPS n'est pas aussi majoritaire que le FCC. Ça veut dire que nous pouvons nous retrouver dans une hypothèse où il y a une coalition bien identifiée par un informateur mais qui n'a pas suffisamment de partis politiques ou pas suffisamment de recoupements politiques qui en feraient une coalition majoritaire. Oui. La conséquence sera laquelle Puisqu'il va s'agir déjà d'une coalition, oh. elle peut déjà dégager un gouvernement. Et c'est avec ce gouvernement qu'on ira pour l'investiture à l'Assemblée nationale. Je crains que cette... Euh, oui, soit... je comprends votre crainte. Oui. Votre crainte sera que... Le gouvernement risque de ne pas être investi. Non, pas du tout. Moi, la crainte, la plus grande crainte, c'est que on ne peut pas arriver au deuxième alinéa si le premier alinéa est si clair que ça. On dit le président de la république nomme le premier, non le premier ministre, c'est pas le cas. Il met fin à ses fonctions, c'est pas non plus le cas. Si, euh, euh, voilà. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République, confie une mission d'information à une personnalité. C'est le cas d'espèce. De, oui, mais la coalition dont on parle ne va pas à l'encontre du fait que le gouvernement doit impérativement sortir de la majorité parlementaire et Mais non d'une coalition au pouvoir. Justement, euh. nous sommes en train de dire la même chose. Oui. Nous sommes dans ces cas de figure parce que la majorité parlementaire, elle n'existe pas. C'est vous qui pensez qu'elle n'existe pas. La majorité pas. parlementaire n'existe pas. Mais on ne peut pas diriger un pays sans majorité parlementaire. Il faut forcément... Il Mais y ait je suis en train d'évoluer avec mon raisonnement. Oui, Nous sommes dans l'hypothèse où la majorité parlementaire n'existe pas. <laughs> oh. Il faudrait alors qu'il y ait un informateur pour identifier une coalition. Oui. C'est là que je dis que le constituant ne précise pas qu'il devrait s'agir d'une coalition majoritaire. Prenons les cas où on se retrouve dans une coalition minoritaire. Mais puisqu'il s'agit déjà d'une coalition, parce que c'est ce que dit la Constitution. C'est la lettre, maître, la lettre. On est dans l'esprit. La lettre, c'est pour, pour les maçons, c'est pour les médecins, c'est pour autre chose. Pour Mais vous, en tant que juriste, vous n'êtes pas dans la lettre, vous êtes dans l'esprit. Justement, oui. je suis en train de vous dire ceci. Que pour vous, l'esprit de la Constitution, c'est que la coalition doit aussi être majoritaire. Impérativement. Ça s'explique. Oui. Parce que pour le constituant, il n'avait pas envisagé les cas où un président de la République, qui est pourtant élu par les peuples, n'arrive pas à faire élire des députés qui soient majoritaires, qui soient en grand nombre que ceux des autres. Or, c'est une possibilité qui n'avait pas été envisagée par le, le, la Constitution, mais qui nous arrive en ce oui, moment? Qui m'a été envisagée par la Constitution? C'est pourquoi on dit, si une telle majorité n'existe pas. C'est parce que la, 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 la Constitution pense qu'il qu qu peut dire... arriver que le président n'ait pas la majorité. D'où est-ce que cas vous de la tirez? D'où est-ce que vous tirez que la coalition doit absolument être majoritaire? C'est par le souci de bien faire. Et je comprends. Mais ce que dit la Constitution, c'est justement une coalition. Et j'aimerais que l'on évoque les deux hypothèses. On évoque les hypothèses que certains regroupements politiques font allégeance au président de la République et finalement constituent une coalition majoritaire. C'est une possibilité parce qu'on tend déjà à cela. Mais admettons que cela n'arrive pas et que l'informateur s'en va, identifie une coalition parce qu'on ne dit pas que l'information doit composer. Cette coalition doit identifier une coalition. Alors, l'informateur s'en va identifier la coalition. Il se rend compte qu'il a 130 députés. A 130 députés par exemple, allons-y par parfois des chiffres pour ouais. plus de compréhension. On se rend compte qu'il y a une coalition, mais qui est minoritaire. Mais puisqu'il s'agit déjà d'une coalition, c'est ce que dit la Constitution, le président peut déjà nommer un gouvernement. À l'issue de cette coalition, Mais pas... quelle sera la conséquence okay. Laissez-moi ah, évoluer. Ah, allez -y, allez -y. La conséquence qui aussi est la crainte, c'est que lorsque ce gouvernement ira pour l'investiture, il y a risque que son programme ne soit pas accepté. Ça, c'est le premier risque et le premier danger. Le danger sera que, la conséquence sera que, ce gouvernement ne, ne se verra pas investi. Il sera appelé à présenter un autre programme. Si au fur et à mesure... Il n'arrive toujours pas à être investi. Le, ça crée une le conflit, crise. Le conflit est ça, né. La crise est ça née, ça crée, On dissout. Ça crée la crise mmh. et on dissout. Or, jusque-là, ce n'est pas encore le schéma qui est plausible. Quel est le schéma Le schéma est que, à l'issue de cette coalition, qui soit majoritaire, qui soit minoritaire, se dégage un gouvernement. Et ce gouvernement, on ira avec à l'Assemblée. Et cette Assemblée-là, qui, qui aura été. En sa majorité, consultée par le président de la République, va investir le gouvernement. Il va investir ce gouvernement et la République va continuer. Mais vous savez, par la aura, suite, il aura... va clairement se définir ceux qui seront dans l'opposition et ceux aura, qui seront au pouvoir. On n'aura certainement réglé aucun problème. On aura plutôt créé un problème, un conflit politique, une crise politique. qu'on aura finalement créé parce que on aura, pour la première fois de l'histoire, une minorité au Parlement qui aura décidé de mettre en place un gouvernement. Et vous le savez qu'il y aura blocage sur blocage. Il n'y aura pas. Non. Il y a Tant une si nuance. Si vous acceptez de, de, de dissoudre la non, 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 Le schéma de la dissolution n'est pas encore sur la table. Il sera le tout, en tout cas le tout dernier rempart. Jusque là, il est question d'un gouvernement. De réqualifier d'abord. Vous ne pouvez pas avoir un gouvernement si vous ne réqualifiez pas la majorité parlementaire. Non. Ça, ce n'est pas, ce n'est pas une exigence constitutionnelle. La Constitution voudrait qu'il y ait une coalition. Et c'est ce le majorité? travail. Non, c'est vous qui le dites. <laughs> Pas moi, c'est la constitution. Non, la constitution <laughs> n'a jamais dit ça. La constitution voudrait qu'on identifie, c'est ça. Le texte, oui, mais l'esprit, madame. Rentrons même dans l'esprit. Oui, l'esprit voudrait que ce soit une coalition. Majoritaire. majoritaire. Pourquoi Simplement pour faciliter la tâche au président de la République. Il oh bien faire les choses. Non, Parce justement, je suis. De notre je vous dis que ce pas, pas, pas le souci. C'est pas le souci. Non, non, c'est pas. La majorité pour gouverner, ouais. je suis d'accord. La majorité pour accompagner le président de la République, je suis aussi tout à fait d'accord. La majorité pour tout Mais, faire, en fait. Justement. Mais, pas, pas forcément, euh, ce n'est pas une incise. Ce n'est pas une insiste si du le gouvernement. Le président est bloqué par la majorité. Il dissout l'Assemblée nationale tout simplement. Il dissout, on dit, il va rechercher une nouvelle majorité. Mais je ne vois pas ici l'hypothèse où il y a une majorité qui existe, qui existe déjà. Le président tente de renverser la majorité. Mais, mais pourquoi il vous voulez -il pas? tout le temps revenir sur le fait que la majorité, la majorité existe La Constitution, elle, elle, elle s'est fait accompagner par différents. par, par, par d'abord ses travaux préparatoires. Elle s'est fait accompagner par les ouvrages, les doctrines, elles nous permettent de bien comprendre ce que dit cette Constitution. Et, et, et dès lors qu'elles nous expliquent ce qu'on doit entendre, ce qu'on devrait entendre par la majorité parlementaire, il faudrait que ce soit soit un regroupement politique, soit un parti politique qui a plus de la moitié, oui. la moitié plus un des députés. On est bien d'accord. Nous sommes, nous sommes aussi d'accord qu'il n'existe pas un seul regroupement politique, qu'il n'existe pas un seul parti politique qui est... Plus de 250 Je suis bien ou 250 la, cons la conséquence, c'est que il fallait identifier une coalition. Mais le seul moment, il faut que le premier ministre démissionne. Ou qu'il y ait une ordonnance des rapports. Mmh. Mais s'il n'y a pas une ordonnance des rapports, de s'il n'y a pas une ordonnance des rapports, parce qu'il n'y aura pas une, une, une ordonnance des révocations du Premier ministre, faut il faut qu'il y ait une ordonnance des rapports, par exemple. Mais s'il n'y a pas cette ordonnance-là, comment le président va utiliser son veto pour dire... je veux, je veux... Cette, ordonnance, oui. cette ordonnance va arriver incessamment. Vous savez par quel mécanisme par quel Le mécanisme. premier, c'est celui de rencontrer la vision ou l'idée du FCC. Vous allez vous souvenir de ce qu'a été euh, le, 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 le rapport ou euh, la déclaration politique après, euh, après leur, euh, leur réunion, celle de dire qu'ils étaient prêts à aller en cohabitation. Et pour aller en cohabitation, il faudrait passer par la démission du Premier ministre. Alors, si c'est cela le chemin, qu'aura choisi le, 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 le camp de Joseph Kabila, ça veut dire qu'on va aboutir. À la démission du président de la République. Et en ce moment-là, vous aurez la possibilité de nommer l'informateur. On, on va redistribuer le les cartes. On comprend. Très bien. Merci beaucoup, maître Arlette. Ça a toujours été un honneur pour moi de discuter avec vous oui, et surtout merci. par les droits. C'est vrai que c'est une matière que les gens estiment facile, mais c'est extrêmement difficile et compliqué. Sinon, on serait en pas... train de faire des formations oui. des six mois et des oui. trois mois pour apprendre les droits. Sinon, le terme, est... le terme pour qualifier toutes ces difficultés, on dira quoi La Constitution est complexe ou on dira qu'elle est difficile à comprendre La Constitution n'est. À mon sens, elle n'est ni complexe ni difficile à comprendre. Ouais. Et les faits précèdent toujours le droit. La Constitution, celle-là, elle avait été taillée sur mesure par rapport au format qui se présentait. Or, le format d'aujourd'hui n'est pas encore suffisamment pris en charge par la Constitution. Et on se débrouille, on se débrouille avec ce que dit actuellement la Constitution. Et l'avantage qu'a le président de la République, c'est que l'article 69 lui donne... Même les prérogatives de la continuité de l'État, ouais. c'est ce qui avait permis à Joseph Kabila de dénommer le commissaire spécial lorsqu'il créait des nouvelles provinces. C'est ce qui crée aujourd'hui, qui permet aujourd'hui au président de la République, par exemple, de suspendre des conseils de ministres parce qu'il faudrait suppléer à la carence de la Constitution. C'est ce qui permettra au président Félix si Tshisekedi de nommer un gouvernement qui soit issu d'une coalition qui sera identifiée, qu'elle soit majoritaire. Qu'elle soit minoritaire, l'essentiel pour nous sera de la faire investir au, 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 à l'Assemblée nationale. La conséquence pour nous, claire, sera à un certain moment, lorsqu'on aura estimé le besoin nécessaire, de faire tomber l'actuel bureau, bureau de l'Assemblée nationale, parce que c'est au fait elle qui, est là, qui a créé toute cette situation. Très nous, bien. par exemple, les femmes, parce que je suis, je suis femme et d'ailleurs présidente de la Ligue des femmes de mon parti, nous, nous estimons que nous avons échoué dans notre mission par le biais de Madame Janine Mabunda. Elle n'a pas suffisamment joué sa carte. C'est la première d'entre nous. nous. Que nous soyons des partis politiques différents, des structures ou formations politiques différentes, nous constituons tous la ligue des femmes de ce pays. Nous sommes tous en train de travailler pour l'émergence de, de, des femmes, pour la promotion de la femme dans notre pays. Et elle. Elle est la première d'entre nous. Elle n'a pas suffisamment joué son rôle. C'est un échec pour nous. Son échec, il est aussi le nôtre. C'est ainsi qu'on voudrait qu'elle sorte par la grande porte, celle d'accepter cet échec, de démissionner, de laisser la place à d'autres. Et je voudrais que ce soit encore une femme pour ne pas que nous soyons jugés seulement sur son action. Et vous demandez à Mme Mabouula de démissionner Nous avons... Il n'y a pas autre chose à demander. Parce qu'elle a conduit. Il de démissionner. Madame Abouna a démissionné. Bientôt, ça sera a démissionné. Pour Mais des raisons vraiment, différentes. Ils vous laisseront le pays Pour alors. des raisons différentes. Sylvestre Ilon -Kamba doit démissionner. Premièrement, parce que son gouvernement n'a pas répondu aux aspirations du peuple. Là, il n'est pas encore question des aspects politiques. Ce sont les aspects sociaux et les aspects économiques que je suis en train d'évoquer. La souffrance, elle est, elle est, elle est accrue. Aujourd'hui, lorsque le président de la République parle, il, il, il demande toujours à son peuple de supporter parce qu'il a dit qu'on finira par comprendre l'importance de sa démarche. C'est autrement dire que continuer à endurer. Le bonheur est à venir. C'est d'abord ça, la première raison. Et la deuxième raison pour laquelle il doit démissionner, c'est que son parti ou encore sa famille politique l'appelle à démissionner. Étant donné qu'ils veulent partir, se lancer sur les schémas de la cohabitation. C'est pour, pour ces raisons que la démission du, président de, 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 du Premier ministre s'impose à ce jour. Et Mais là. quant à Janine Mabunda, c'est parce qu'elle a mal joué son rôle. D'abord de femme, parce que par elle, nous les femmes politiques de ce pays, nous racontons un échec. On n'a pas convenablement joué le rôle. C'était une femme... Au milieu d'autant d'hommes, elle jouait un rôle majeur, que ce soit dans sa famille politique, que ce soit dans la coalition au pouvoir, que ce soit même dans différentes rencontres politiques qui pouvaient donner de la vie à cette coalition. Mais qu'est-ce qu'on a vu de l'autre côté Vous vous souvenez de ce qu'a été sa, son intervention sur Top Congo, où elle répondait de n'importe quelle manière, même lorsqu'il s'agissait du président de la République. À chaque rencontre avec le chef de l'État, elle est sortie pour nous dire que nous appelons le président de la République. Au respect de la constitution, vous allez me dire que ce sont des personnes qui sont en train d'accompagner le président de la république. Moi, je vous dirais non. Et pour n'avoir pas convenablement joué son rôle, je pense que euh, euh, la décence voudrait même qu'elle démissionne sans qu'on appelle à, 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 à sa destitution. Merci beaucoup, maître Arlette. Je rappelle que on reviendra jeudi ou vendredi quand euh, le. le, le le président viendra nous donner ses décisions qui n'excluront ne aucun cas de figure. On attendra et je vous recevrai pour en discuter, pour en parler encore. Peut-être qu'on sera dans l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale, d'une reconfiguration du gouvernement. On verra peut-être les génies produira. Oui, mais euh, ouais. en tout cas, pour notre part, nous ne voyons pas pas encore le recours à la dissolution parce qu'avant la dissolution, il y a encore plusieurs schémas qui peuvent apporter euh, la solution aux problèmes qui se présentent aujourd'hui dans notre pays. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mesdames et Messieurs, c'en est fini. Je vous retrouve avec le même plaisir dans un prochain numéro de Face à Face. Portez-vous bien, que la peur quitte vos esprits et que Dieu bénisse les rassurés. Gigi Link met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. DigiLink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. DigiLink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquer en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala. Pour le service sur DigiLink, c'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des traces africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur congolais